On est à la Drift Cup. C'est vrai? Fires. Il est un peu trop large ici. Il est là, faut pas se laisser embarquer. Oh. Non, en fait, c'est le JDM, on a menti. Et coucou! Plus d'angle devant les juges. Transition. Discussion philosophique des plus grands drifteurs de France. Pourquoi? J'adore ta philosophie. Plus vite, Cam! Encore plus vite, Cam! C'est ça le drift, frère. Mais viens rouler, toi aussi. T'inquiète, on va venir. Tu auras plus d'angle, tu pourras prendre plus de vitesse, tu pourras plus facilement ressortir et te placer pour l'épingle. Et l'épingle, place-toi avant. L'espace que tu prends pour l'entrée, tu le choisis pour sortir. Donc en fait, si tu rentres bien à l'arche d'entrée, forcément, t'auras mieux de choisir pour l'entrée. Entre nous deux, ou tu gaz, ou c'est pas la peine. Écoute, tu peux pas parler aujourd'hui, d'accord? Tu parleras l'année prochaine. Mets-le dans le... Un beau déclenchement ici, 151 km/h en vitesse de déclenchement, c'est vraiment pas mal. 144 km/h pour... Oh là là, il est large, il est super large, attention, les 4 roues à l'extérieur, le transfert ici peut-être un petit peu trop large, dans tous les cas il savait que c'était mort. Pique les yeux. Ah, ça fume. Ça va? Quel goût il a le sandwich? Au passage de Mathias Locatelli face à Mercedes. C'était quoi ta technique pour pas payer les impôts déjà? Tu vois, il faut partager cette technique à tout le monde. C'est bon, la fin du tracé est magnifique. Lume, un petit mot à la caméra? Un petit, tu veux. On est arrivé au pain à calot. Oh, il n'y a plus mais pour dormir là. Mais il fait chaud ici. Vous a piqué la télé. Tant mieux, on ne verra pas les canons. On est un peu à l'étroit ici, non? Ah, il fait trop chaud, moi je vais dormir dehors.
Un petit mot pour la caméra. Regarde. Le soleil il tape aujourd'hui. Voilà, le soleil. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on attend. Qui? Manu. Manu qu'on attend. C'est la mission pour venir là. Aujourd'hui c'est très chaud. Chaleur. Chaud. Ouais, carrément. Super chaud. 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 Sur le keeping numéro 1, le transfert jusqu'au 2. Il est un peu trop large ici. Oulala, faut pas se laisser embarquer. Ça a l'air d'être resté. Il est encore trop large ici, mais c'est pas grave. Il utilise toute la largeur de la piste. Il va rien lâcher. Qui est le pilote précédent, en tout cas, il est super bien sur la ligne pour l'instant. Le transfert est bon. Et là, il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Il a même passé un rapport, je crois. Alors, il faut extérioriser tout ça. Il est sur la ligne. Hein. On peut aller encore chercher des points, Steve. Pour lui. Très large, ultra rapide ici. Décale plutôt bien, clipping numéro 2. Le 3, il y a de l'angle, on aime bien ça. Frein à main. Il relance tout. Moi je dis que ceux qui ont le plus de mérite, c'est ceux qui viennent avec des voitures de série, limite sans autobloquant. Je les encourage. Pareil, petite motorisation sur le 36 berline. Même petite relance à la fin, il y a un petit arrêt. Ça c'est une caisse, tu peux rouler toute la nuit avec pour faire une crachée. Ah, le tête à queue pour Andrea au niveau de l'épingle, malheureusement, ça ne passera pas sur ce. Ah, il a un autobus. Run numéro 3, on va conserver sa meilleure note qui est celle de 47 à l'issue de son deuxième passage. Il est tous mousse. Et voici Hop là qui parle à Tchouf de notre JDM. C'était le 28-29 mai de cette année. On a
on fait l'année prochaine. On revient, on va chercher les gars. Ouais. L'écoute pas, il raconte des conneries. Envoyez un petit message. Bah, j'envoie un message. Avec plaisir. On est par là. C'est cool. Bah, merci beaucoup. À plus. Ciao. Oui, tout à fait, je me rappelle. Ouais, tu m'avais envoyé une vidéo et où tu avais fait ton tracé chez toi. Les meilleurs moments en gros, c'est quand je suis dans la neige avec mes potes, avec mes chauffeurs. 3,25 qui déglinguaient, on frotte les rails, on est